Sur la route du cinéma scandinave, c'est ici que tout commence, en Suède, où il y a plus d'écrans de cinéma par habitant que partout ailleurs en Europe. Stockholm. Stockholm, c'est juste un assez grand village, au milieu des forêts et des lacs. On se demande ce qu'elle fait là avec son air important, disait Ingmar Bergman de la capitale suédoise. Alta, c'est le bout du monde. C'est ici que notre route s'arrête. Au long de cette traversée, nous avons découvert trois cinématographies vivantes et profondément atypiques, animées par une même énergie. Acteurs, réalisateurs, scénaristes, les talents circulent d'un pays à l'autre, donnant naissance à un cinéma des extrêmes, baigné de cette lumière si particulière, presque horizontale. Une chose est certaine, les cinéastes venus du Nord ont beaucoup de choses à nous dire, et ça c'est une bonne nouvelle. Car avec nous, il se pose encore et toujours la même question. Qu'est-ce que le cinéma? Peter Ness a peut-être une réponse. Il est au cœur du processus. Il tourne. Le cinéma, c'est le champ des possibles. C'est de ne pas savoir ce qui va arriver. C'est entrer dans une salle de cinéma et espérer en sortir un peu différent, un peu transformé. Toc! Espérons que notre avenir ne soit pas derrière nous. Si on vise le soleil, on aura peut-être une chance d'attraper la lune.